bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Nous allons analyser les protocoles ASL et EtoTo.1Q qui sont les protocoles qui permettent de former un trunk link, donc une connexion trunk. Il y a deux protocoles utilisés pour le trunking, donc la transmission de plusieurs VLAN sur une seule connexion physique. Et ces protocoles sont ASL et EtoTo.1Q. InterSwitch Link ASL est un protocole développé par Cisco. En d'autres termes, c'est un protocole proprietary qui n'est utilisé que sur les équipements de Cisco. Par contre, EtoTo.1Q est un protocole développé par l'IEEE. Donc, c'est un standard qui peut être utilisé sur les équipements de plusieurs vendeurs, en fait de tout vendeur qui accepte et suit les recommandations de l'IEEE dans l'implémentation, donc la mise en œuvre de ce protocole sur ces équipements. Les deux protocoles ajoutent le numéro de VLAN sur chaque frame, donc le VLAN tag. Toutefois, la façon que ces protocoles appliquent, c'est-à-dire ajoutent le VLAN tag, différencie. D'une façon pratique, le protocole ASL n'est plus vu dans les détails dans les manuels de Cisco, même au programme de CCNA. Il y a plusieurs raisons à cela, parce qu'il n'est plus vraiment utilisé. Mais nous allons voir de façon brève comment est-ce que ce protocole ajoute le VLAN tag sur le frame. Pour comprendre comment est-ce que ASL et EtoTo.1Q fonctionnent, il est aussi important d'ajouter qu'il y a le Dynamic Trunking Protocol, le DTP. DTP est un protocole développé par Cisco qui sert à négocier le trunking sur une connexion entre deux switches et pour négocier le type de trunking à utiliser. Donc, est-ce que nous allons utiliser EtoTo.1Q ou est-ce que nous allons utiliser ASL? Donc, pour mettre cela en exergue, nous avons ici deux switches. Lorsque ces switches sont en fonction, lorsqu'ils fonctionnent, cette interface va envoyer des DTP frames selon sa configuration et ce switch aussi va répondre avec des DTP frames. Donc, sur la base de ces frames, ils vont s'accorder s'ils vont un trunk, s'ils vont être une connexion trunk, si cette connexion sera un trunk, et deux, quel est le protocole qu'ils vont utiliser? Serait-ce EtoTo.1Q ou encore ASL? Donc, c'est le Dynamic Trunking Protocol, le DTP, qui permet de faciliter cette négociation. Toutefois, DTP est désactivé avec la commande Switch Port Mode Access ou encore Switch Port Non Negotiate. Nous verrons cela dans les détails et dans les labs. EtoTo.1Q. Ce que EtoTo.1Q fait, c'est qu'il insère un élément supplémentaire dans le frame header. Souvenez-vous, nous avons parlé du frame header qui a certains éléments, l'adresse source, l'adresse de destination et d'autres. Donc, ce que EtoTo.1 fait, il ajoute un faux byte EtoTo.1Q VLAN header. Nous allons voir ça dans le tableau, ça sera plus facile. Le header, le EtoTo.1Q header a plusieurs éléments au niveau du CCNA. Ce qui est plus important, c'est de comprendre que ce header contient 12 bits du VLAN field, donc à l'intérieur du EtoTo.1Q header. Les 12 bits supportent 2 puissances de 12, c'est-à-dire 4096 VLAN. En pratique, ils ne supportent que 4094. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a deux VLAN qui sont réservés. Le VLAN 0 et le VLAN 4096 ne sont pas utilisés. Donc, en pratique, on n'utilise que 4094 VLAN. Donc, moins les VLAN qui sont réservés. Et donc, ASL et EtoTo.1Q utilisent 12 bits pour l'identification du VLAN. Donc, c'est ce que nous venons de dire. Ça, c'est le frame. Ici, nous avons le frame du Layer 2, donc le frame standard que nous avons vu lors des précédentes sessions. Destination Address, Source Address. Nous avons le type de data,
IPv4 ou IPv6, le data, donc le message transmis, et le FCS, le Frame Check Sequence, qui permet de vérifier les erreurs. Et donc, ici, là, nous avons le header du etoto.1q. Donc, lorsque nous disions que ce qui nous intéresse est cette partie, ça veut dire que cette partie fait partie de tous ces éléments. Mais au CCNA, nous ne nous intéresserons qu'aux 12 bits, donc les 4096 vilaines qui sont insérées ici, à ce tag. Donc ce tag est inséré dans le frame, dans le layer to frame. Le vilain range, Cisco réserve les vilaines 1 à 4094. Donc nous avons dit que ça, ce sont les vilaines qui sont utilisées en pratique. Cisco les sépare en deux catégories, le normal et le extended range. Laissez-moi relire cette partie. Cisco sépare les vilaines en deux catégories, le normal et le extended range. Tous les switches utilisent les vilaines du normal range, donc de 1 à 1005. D'autres switches peuvent utiliser les vilaines du extended range, donc de 1006 à 4094. Les règles d'utilisation des vilaines du extended range dépendent de la configuration du VTP, Villain Trunking Protocol, un protocole qui n'est plus pratiquement utilisé, mais que nous allons voir en quelques lignes afin de voir ce qu'il fait et comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il est configuré. Le native VLAN, ça c'est un autre concept très important à comprendre. Etoto.1q, seulement Etoto.1q parce que ASL n'a pas le concept de native VLAN. Etoto.1q définit un VLAN spécial sur chaque trunk link. Il s'agit du native VLAN. Par défaut, il s'agit du VLAN 1. Etoto.1q n'ajoute pas un VLAN. Un Etoto.1q header. Excusez, je vais relire. Etoto.1q n'ajoute pas un Etoto.1q header sur les frames du native VLAN. Lorsque le switch du côté opposé reçoit un frame qui n'a pas un Etoto.1q header, il va reconnaître que ces frames font partie du native VLAN. Les deux switches doivent s'accorder sur le native VLAN. En d'autres termes, ils doivent utiliser le même numéro de VLAN pour le native VLAN. Donc, pour mettre cela, pour essayer de résumer cette partie, nous avons ces deux switches qui sont sur une connexion link, trunk, c'est-à-dire cette connexion physique est un trunk link, et ils sont en train d'utiliser Etoto.1q. Par défaut, c'est le VLAN 1 qui est le native VLAN. Donc, tous les frames qui seront transmis dans le VLAN 1 n'ont pas le tag dont nous avons parlé. Le tag, ces frames seront des frames ordinaires, n'auront pas un VLAN tag. Parce que l'objectif même du VLAN tag, c'est de permettre au switch qui est du côté opposé de savoir que le frame que je reçois appartient à tel VLAN. Donc, c'est parce qu'un trunk link va faire traverser plusieurs vilaines sur une même connexion. Donc, lorsque je reçois un frame du vilaine 10, il y a le tag 10, je sais qu'il appartient au vilaine 10 et que si ce PC est au vilaine 10, je l'envoie au vilaine 10, à ce PC. Par contre, pour le native vilaine, ce sont des frames qui viennent sans tag. Donc, ce sont des frames qui n'ont pas un numéro de vilaine inséré. Donc, ils n'ont pas de tag, ils n'ont pas un vilaine ID. Et donc, excusez, le native vilain permet de connecter deux switches dont l'un supporte Etoto.1q et l'autre ne supporte pas. Donc, encore, ça veut dire que si je prends ce switch qui ne supporte pas Etoto.1q et ce switch qui le supporte, je les connecte. La seule façon dont ces switches vont communiquer est que ce switch mette tous les frames transmis à ce switch dans le native VLAN. Donc, ils vont communiquer au travers du native VLAN. Si, pour ce qui concerne le numéro de native VLAN qui doit être le même, nous avions dit que par défaut, c'est le VLAN 1. Mais si, par,
par exemple, ce switch change son native VLAN au numéro 100 et que ce switch ne le fait pas, il y aura un désaccord. Donc, il y aura une erreur. Donc, les deux switches doivent utiliser le même numéro de native VLAN. Si c'est le 1 de ce côté, ça doit être le 1 de l'autre côté. Si c'est le 100 de ce côté, ça doit être le 100. En fait, ça doit être le même numéro des deux côtés. Donc, pour faire, je veux encore résumer sur le native VLAN. ASL n'a pas le concept de native VLAN. Le native VLAN n'est qu'un concept du etotu.1q. 2. Le native VLAN permet de transporter les frames qui n'ont pas de VLAN tag. Donc les frames qui sont des frames ordinaires. Et le numéro de native VLAN doit être le même des deux côtés. Faire la différence entre ASL et Etoto.1Q, c'est ce que nous pouvons constater, c'est que la différence se trouve au niveau du frame format. Lorsque nous prenons ASL, ce que ASL fait, c'est qu'il encapsule le frame du layer 2. Donc, tel que nous voyons ici, nous avons le destination address, le source address, le type, le data et le FCS. Ce que ASL fait, c'est qu'il ajoute un 20 byte ASL header et il ajoute un ASL FCS. Donc, nous nous retrouvons avec un header devant le frame et un ASL FCS derrière au trailer. Donc, nous nous retrouvons avec le trailer du layer 2 frame et le trailer du ASL. Donc, le frame du layer 2, en d'autres termes, est encapsulé. Et nous l'avions vu que l'encapsulation, c'est emballé. Ça veut dire que ASL emballe le frame du layer 2 dans un frame, dans un ASL header et dans un ASL trailer. Par contre, Etoto.1Q, ce qu'il fait, c'est qu'il insère le Etoto.1Q tag. Donc, il ajoute son tag entre le source address et le type. Et c'est au niveau de ce header, de ce etoto.1q header, que se trouve, c'est à ce niveau que se trouvent les 12 bits du VLAN ID que nous considérons au niveau du CCNA. Pour le reste, il y a des petites différences, mais la plus grande différence qu'il faut retenir, c'est que ASL encapsule le frame du layer 2 pendant que etoto.1q insère le etoto.1q header au milieu du layer 2 frame. Merci. Lors de la prochaine session, nous allons commencer des labs pour mettre en application la création du VLAN, la configuration du trunking, la vérification du trunking et tous les concepts liés au trunking. Merci, nous nous retrouvons lors de la prochaine session.